Attends, mec. Attends. Et attends, ta mère! Oui, mais j'essaye de faire des trucs, moi! Tu crois qu'on essaye de faire quoi? Ah, bah il a perdu un bras, lui. Un peu difficile de manier une épée avec un bras. Oh, bah c'est quoi? Vas-y, je sais pas si on va jouer pour le vrai. On va essayer. J'ai vraiment une vie de merde. Putain, mais quelle bande de fils de pute à jouer archer et à spammer comme ça. J'ai au tout de vie comparé à toi. Moi en fait c'est mon perso qui fait ça. Oh ça, ça va être un beau duel. Je me suis trompé de touche, j'ai lancé mon épée. Je suis un connard. Est-ce qu'il y a pas moyen de la récup? Bon. Wouah! Ouais, il est pété le coup. Petites attaques lentes là, oh là là. Oh, c'est les petites attaques lentes, elles font taf. Hein. Elles sont mal, chaque personne a des techniques différentes, mais c'est logique. Les mecs ont respawn sur moi. J'étais en 1v2 et il y a 3 gars qui ont respawn dans mon dos. Oh. J'étais sur leur spawn, oh non. Oui, c'est vrai. Attends, mais qui gagne? Incroyable. Bah j'avais dit que c'était pas bon. Mais elle fait honneur à ton pays. Le pays contre le Portugal. Je Valkyrie, oh le bâtard. Elle est pété sa mère. Non, franchement, ça trouve abusé. Il me casse les couilles. Comme sur R6, ils font les décales. Pire moment. Oh, c'est Stéban. Mec, je mets un coup d'épée, ils sont tellement nombreux autour de moi, je mets un coup d'épée, je tue 3 gars en même temps, c'est incroyable. Non, j'en ai mis 2 à terre, soufflez, finissez-les. Yes, mon dieu. Et le problème, c'est que vraiment, genre, sentinelle, vous jouez genre, comme ça, en fait, faut faire des temps. Chien, ça, non. Tu sais, t'as partir sur un archer. Pourquoi? Parce qu'en fait, t'as certaines attaques incontrables. Oh bâtard. Ah le jet d'eau but. Oh là là. Le jet d'eau il me but. C'est quoi ce play? Mais ouais. Mais putain un jet d'eau ça bute, c'est abusé ça. Fils de pute. Respect qui va en retraite. Ouais, c'est exactement pour ça que j'ai fait. Ouais, je suis un V5, ça va. Oh bâtard, il était pas à côté de moi. Et je sais vraiment pas comment tu penses faire pour contrer un brise-garde, ça m'énerve. Bah t'as pas un coup d'épée, enfin un coup de pied ou un truc comme ça? En fait j'ai l'impression que ça dépend vraiment des... Arrêtez avec les TK, vous voyez bien que je suis de la même couleur de vous que vous, 22 putains de connards. Incroyable. Et le mec me tape, je suis de la même couleur que toi. Au secours! Pourquoi est-ce que je joue avec des retards? Ah, les attaques non contrables! Oh,
Un V4, ça va là. Quand je t'ai dit qu'elle est pétée la sentinelle aussi, et que j'étais d'accord avec toi. Oui, c'est la sentinelle ça. Après, je pense, qui est-ce que je vais jouer, c'est pas. C'est le seul point où je connais, on va dire. Je peux me sortir un nouveau combo, c'est sentinelle. Attends. Si ça tient pas, suis-moi, mais là, genre, y a pas de. Pardon! Non, viens, on se prend pas les jetons, je reviens ici. Y a pas de jetons. Non, parce que ça me dit, cette merde. Non, c'est parce que c'est des attaquants. Oh, le bâtard, il a eu. Les attaques R1 sont toujours rapides. De manière générale, évite de charger tes attaques. Parce que c'est une attaque qui n'est pas contrable, à moins que tu fasses R. Mais, alors, certes, si tu n'as pas joué, tu ne peux pas le savoir. Mais je te le dis. Il faut être un peu moins con aussi, c'était mais forcément tu vas pas arrêter une masse avec un bras. Avec un push normal. J'en sais rien. C'est-à-dire que là, Esteban, tu voulais la contrer, il fallait que tu fasses R2 quand tes trucs rouges allaient clignoter, mais tu n'as pas le temps de faire ça, moins que tu sois très bon. Moi, par exemple, je ne dis pas très bon, donc je ne peux pas faire ça. C'est pour ça que c'est du bluff. Faut que tu arrives à pré-shot une attaque. Toi, par contre, c'est pas trop mal. Qui est-ce que je peux jouer après? On va prendre le Roshi. Pardon, il garde pas, mais quel genre de retard. Allez, il s'est fait trancher la tête. Ça veut dire que elle, c'est pourtant celle que j'ai le plus joué, celle que je sais moins jouer en même temps. Ah, des ressources. Que j'ai le plus joué, que je sais moins jouer, celle que j'ai. Ensuite, le reste sera un truc à la fois. Alors oui, mais putain, il y a un truc de mais comment il laisse dans mon bac? Ah, oh, mais mec qui m'ont qui me les ont laissés Franck, au secours. Putain, je suis vraiment avec des gens mauvais. Non mais sois pas con aussi après Esteban. Après il suffit de pas être con. Il y a plus de vie, l'auto. C'est exactement la même vitesse d'attaque, ça fait. C'est juste que si tu appuies sur R1 et sur R2, évidemment que la vitesse est différente. Mais non, mais il faut réfléchir, tu commences toujours un combo la plupart du temps avec R1, à moins que à moins qu'il soit bien. Les gars, il ne garde pas, juste tapez-le, genre c'est un truc de ouf. Je suis désolé. Franchement, je suis désolé, c'est bâtard de mon part. Ils sont rentrés. Oh, j'étais un fier. Va derrière, genre là où il n'y a pas de léger d'eau. Mais non, mais sinon, on va encore mourir comme une race avec les GD. Mais j'ai joué littéralement genre 300 minutes avec. Attends quoi? Parle au jeu. Oh bâtard. Non, je pense que t'étais en mode t'étais épuisé. Si, juste avant, t'as tout premier instinct. Pourquoi je peux pas dash? Mais ça va, allez, le mec il voit déjà que je suis en 1v3, il se dit vas-y, go. Ah non, c'est quel fils de pute, c'est incroyable lui. Au secours. Bah, revanche, hein, j'imagine. Suivez après, on peut faire l'histoire ensemble.
Genre en coop. Alors, un peu d'espoir. Pour l'instant, je suis en train de gagner, Esteban. Yes. Il m'a gagné sur la première. La deuxième, j'ai défoncé avec un tunnel. Oh, trophée obtenu, kill sans ennemi. Let's go. J'ai ramassé un MDR, j'ai ramassé un tir de baliste et je suis en train de tuer quelqu'un avec. J'ai tué quelqu'un avec un tir de baliste. Let's go. Vas-y, viens te battre. J'ai un énorme bâton. Je vais te défoncer. J'ai pas attendu mon épée, bâtard. Oh, mais c'est insane en plus. Ah, j'ai trop chargé mon coup. Quel fils de... Vas-y. Tue-le, t'es en 1, gros, tu peux pas perdre. Ah, non, tu viens de... Y'a 3 gars qui se ramènent sur toi en plus. Bon, 1v4. Ah, aïe. Je leur ai mis 2 dagues, allez, ils sont en train de saigner, faut les tuer. Tu veux lancer ST ou quoi? Arrêtez de TK par pitié. Oh non mais donc j'ai pas tout. Alors je vais jouer. Alors là je vais jouer Mon attaque n'est pas partie, c'est de la merde. Oh lui, je ne sais absolument pas ce qu'il fait. Même bloquer le combat, bloquer le combat, bloquer le combat. Les deux. Je sais pas comment je pense. Je sais que le mien genre super lance sa mère. Mais à part ça. Et toi c'est un gros tank, t'as beaucoup trop vie pour tout le monde. Ah tu peux voir la liste des coups. Ah c'est ce que j'ai fait quoi. Non mais je savais pas si t'es vu qu'en duel, je savais pas si t'es voir mon duel. Faut faire pour voir comment t'es. Officiellement en 7 chez moi. Oh il peut faire ça, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi tu recules? Mais comment ça te fait? Tu pouvais largement. Comment ça t'es l'endurance, t'as même pas tapé. Ah c'est vrai. Oh mec, je viens de 1v10. Et j'ai survécu. Bon, tu veux continuer à rester derrière ou quoi? Parce que si tu veux, on peut pas. Alors, du coup, tu veux, on peut pas. Non. Quoi? Si je fais partie des 2600 meilleurs joueurs d'Europe! 2700! Oui, mais bon, je fais partie des meilleurs joueurs d'Europe là! Oui, GG, je suis d'accord! Je suis content pour toi, je suis d'accord, ouais, c'est. C'est la Russie dans l'Europe alors. Ouais, donc une partie de l'Eurasie. Non, il n'y a pas l'Asie, il y a la Russie. Non, mais oui, mais Russie ça fait de l'Asie, donc ça fait Eurasie en plus. C'est dur à faire, mais je sais comment, ok. En gros, je pense que là, c'est genre, si j'arrive à faire R2 à un certain moment quand t'attaques, je peux te mettre un gros une grosse contre un gros coup. Mais faudrait la faire. Gros, je me fais tuer par mes alliés, j'en ai marre. Non, bloquer le convoi, bloquer le convoi, bloquer le convoi. Pas maintenant, pas à 1 minute 30 de la fin. Putain, mais ils jouent tous cocktail, quelle bande de salopes. Oui. Mais là en fait le truc c'est que tu vois par exemple ceux qui savent bien jouer, ils pourraient largement faire un R2 et me souiller juste après.
Mais moi non plus. C'est exactement ce que je te dis, c'est que moi non plus je ne peux pas. Je connais les crocs, donc je sais que je peux le contrer, mais entre savoir que je peux le contrer et le faire, c'est deux choses différentes. Je l'ai résisté, c'est fait instant. Coup dur. 45 secondes, allez, c'est bon. Non, c'est un allié, merde. Le son. Faut qu'il proc. Regarde, là, c'est exactement ça que j'ai fait, là, R2. Mais j'ai lâché ma gâchette, je suis pas d'accord. Comment ça, j'ai con. Non, je suis pas d'accord. Ouais, c'est Van. Dans la retraite, on va chercher de l'huile parce que là, c'est un peu la merde. Sur un quoi? Sur un thème qu'il aime pas. Il aime pas tout ce qui est médiéval. Sérieux? Je comprends pas comment tu peux pas aimer ça, c'est... On est d'accord, mais elle, c'est tellement bien cette période de l'histoire. Ben alors non, en soi elle est pas bien, mais... Ça reste qu'ils font. Quoi, mais les épées? Les épées, ouais, Maël. Non mais mec, j'en voudrais une dans ma vie, là. J'en ai, moi, j'en ai deux au mur, là, alors... Non, mais des vraies épées ou... Oui. Là, pour te dire, j'ai deux katanas et une baïonnette. Putain. Une baïonnette de la Première Guerre mondiale qui a servi. Pas une baïonnette réplique, non, une authentique. Genre comme Eugène Gavichelli avant. Non, une baïonnette. Non, c'est pas des katanas. Ah, lui, oui, je sais plus si c'est un authentique, lui. L'armure, je sais qu'elle est authentique, mais le katana, je sais pas s'il l'est. Hein. Après, à mon avis, s'il a l'armure, il doit avoir le katana doit l'être aussi, mais... Je crois qu'une fois, c'est pas son père, il avait fallu une munition parce qu'il n'était pas... C'est Eugène qui a failli tomber dessus. Bah c'était pas quand on faisait le jeu du poussoir là avec les jambes. Oui c'était ça mais... Où tu m'avais niqué un air. Au secours. J'ai pas niqué un air. Ah si. Tu te rappelles pas, je pouvais plus marcher avec la jambe droite. Pendant bien 2-3 heures. Tu m'avais niqué hein, je te jure. Non mais en vrai c'était drôle. Putain, ça m'énerve. Très con mais c'était drôle. Mais si, c'était... De toute façon, gros, c'est une authentique armure de samouraï avec un katana, gros, t'as pas spécialement envie de l'avoir se faire fracasser par un mec, bizarrement. Le problème, c'est qu'il a une portée beaucoup trop longue, cet enculé. Ah, sa portée fait 3 fois ma taille. J'ai plus assez d'endurance, casse les couilles. Oui, ma mère et ma soeur finir. D'ailleurs, je vais sûrement arrêter de jouer vers 16h15. Ah. Ça paye par mes mails. Ils ont vraiment pété les barricades dans le dos pendant que je suis en train de tenir le devant avec les mails. Merde, je mets tellement de TK là-bas. Je cours. Comment on fait quoi? Non mais dis-moi, dis-moi, au lieu de m'attaquer! Merde. C'est tellement dur de viser avec ce genre de sensi par contre. Oh mais dis, Esteban, au lieu d'attaquer! Ah j'ai que cette arme, j'ai lancé mauvaise idée. On va back off, hein, parce que là c'est un peu la merde. Tu peux au niveau des flammes. Le Nobushi est vraiment fait tout ça. Enfin mon mec qui a joué. Je sais pas comment je vais rencontrer les... Ah, j'ai plus d'endurance. Ah, j'ai plus d'endurance. Ah, j'ai plus d'endurance. Ah, j'ai plus d'endurance. C'est trop dur. Les histoires amies sont trop bien, les DLC. Il ne faut pas le seum de pas pouvoir y jouer pendant 10 jours, s'il te plaît. Tu pourras pas jouer pendant 10 jours. Bah, on va dire, va jouer à ça quand t'as tes parents qui peuvent débarquer dans ta chambre à tout moment, c'est moyen à expliquer quoi. Oh, attends, qu'est-ce que je vais faire là? Non. Il a plus d'armes, défoncez-le, wesh. Et si, oh, mais faut que j'essaye ça tout de suite, moi.
Est-ce que je vais être capable de le faire contre un vrai joueur? C'est pas le problème. Pardon? Pardon, oui. Pourquoi il y a autant de monde dans mon dos, wesh? Oh putain, c'est ma télé. Wow. Théo, imagine tu veux des DLC et ta télé te met un streamer d'erreur à la DDLC. Ah nice. Putain, les marres de son, c'est magnifique. Oh mais je vais esquiver. Ah oui merde, ça c'est... T'es sérieux? Mais oui mais c'est une fiotte, Mitya. J'avoue, t'es une putain de fiotte. Et alors, y'a pas de mal à être sensible. Parce que là c'est pas être sensible. Oh, ça va gros, je viens de démembrer 3 gars. Ça va. C'était pas si dark. Et tu t'es jamais dit que t'étais bizarre, Mitya? Tu veux, on peut faire une petite partie en ligne après, c'est... Pourquoi? J'aime vraiment pas. Et alors, non, mais mec, si t'aimes pas de choses parce que c'est médiéval, au bout d'un moment, genre, nique ta mère. Au moment, nique ta mère, quoi. Il y a des manières de dire les choses, quoi. Mais je revanche. Là, c'est même plus des a priori, c'est juste que genre, t'as décidé un truc, il y a aucune chance que ça change. Non, alors ça, d'accord, certes, je vais en tête que tu vois que tu es mort. C'est ça, là, c'est ça que je comprends pas chez Mitya, c'est genre, c'est le manque de culture qui lui fait dire ça, parce que gros, crois-moi, entre se faire trancher la tête de manière clear par une épée, c'est mille fois mieux que se prendre une balle para hein, dans le ventre, hein, parce que mec, je te laisse imaginer les dégâts. Hein. Mais justement, c'est mais parce que t'as un manque de culture que ça te dérange pas, parce que si t'avais de la culture, crois-moi, ça te dérangerait pas. Non mais... T'es aussi con que Saint-Paul, alors c'est incroyable. J'espère que tu auras jamais de problèmes médicaux hein, parce que monsieur vous avez un cancer, je le vois pas donc j'y crois pas monsieur. Incroyable Yuri. Non mais y'a des gens que je connais qui sont vraiment comme ça, bizarrement ils ont failli en clamer. T'as quitté, bah tu vas canner. Un jour tu vas canner comme un con. Pourquoi t'as quitté? Bah dommage. Ouais je sais pourquoi t'as quitté. Mais bon, donne-moi une bonne raison, pas y'a des sang et c'est médiéval. Bah en théorie si vraiment t'es... Si, alors en vrai il y a du sang, ça peut se comprendre. C'était Alors là franchement, genre, vraiment cassé que j'étais. C'est une excuse de merde. Mais pourquoi tu crois qu'il joue à Overwatch? Le sang tu le vois pas? Non c'est vraiment une raison de merde, désolé mais là... Plutôt d'accord. Surtout l'argument du médiéval, parce que médiéval s'il vous plaît. Non mais c'est juste que ce n'est pas ouais, mais un tu argument. Trouver quelque chose de viable. Tu ne peux pas ne pas signer. Mais ça n'a rien. Peut-être que c'est des antennes que t'aimes pas, mais si le jeu est bon, tu vas pas cracher dessus. Alors pourquoi pas. De rien, Mitya, pour l'astuce. Calme-toi, gros. Tu vas pas me rush au milieu de toute mon équipe. Calme-toi, tu vas juste te faire un bébé. Voilà, bon chien. Reste tranquille. Toi, t'as redémarré une partie. Oui, apparemment, Mitya, t'as redémarré une partie. Oui. Si, il m'a dit qu'il avait redémarré une partie. Oh, mais vas-y, on est en 1v1 tellement. Le mec est trop fort. Et je me fais un V6. J'étais en 1v1 contre un gars qui était trop chaud, j'étais en mode full tryhard, c'était super stylé. Et il y a 5 gars qui arrivent en mode nique ta mère, on te met les. Pur plaisir. Ça c'est chiant. Bon donc Esteban, j'accepte pas ta raison. Je demande bien pourquoi dis donc. Merde JTK. Oh bah il l'a eu. Okay. Quoi? Il m'a dit. Non, je m'en fous encore. C'est juste que trouve une bonne raison dans ce cas-là.
Le mec m'a... Tu peux pas ne pas gêner un... M'a envoyé un carreau avec une arbalète qui m'a transpercé le crâne de part en part. Là, impressionnant. J'ai l'impression que t'es en train de me donner tort. Bah donc tu me donnes tort. Dans, tu me dis pas tort. Bah oui, ça, donc, tu me donnes tort. Et si je suis si dans ton sens, c'est qu'on te perd. Mais non, ça revient exactement au même, sauf que tu dis le... Non, en théorie, ça se tient, hein. Tu peux faire sa technique, mais c'est juste très con. Dans ce cas-là. Protéger le duc. Mais comment ça, le duc, il a pris autant de dégâts, wesh. Pardon. Tue-le. Tue-le. Mais on... T'es mon... Ah non. Ah, je suis en feu. Ah non, non, putain, je suis pas en normal. Oh, on a perdu. Et... Patate dans sa mère. Patate. Tu te fais décapiter. C'est la défaite. Ah oui, durée de la game, 26 minutes quand même. Oh là là, top 4. Incroyable. 43 kills, 19 morts.